Conférence a même commencé. Apparemment, il y a un.
Good afternoon, everybody. Saeed, are you in? Are you in? Yes. How you doing? Fine, and you? Very good. Yes. You're working hard? What? Excuse me? Are you working hard? Yes. Yes, very hard, yes. Can I talk about our future? Yeah, sure. Yes. We're all here with a couple of panelists, as well as a YouTube audience. Yes. Okay. It's for French. Okay. Professor. You need to move your camera. Okay. Yes. Your camera just shut. Yeah. I neglect to say that. You know, I gotta take charge. You know what I mean? like a producer, because yes, sometimes, okay. Sometimes I'll go the whole webcast and you just see half the person's face. Yeah. Yes, I mean, that's not their fault. It's my fault as a producer for letting it go. Yes. Okay. So anyways, your picture's good now. So for the moment, we have... five professor. First is Henri Dufour for the 12 March. Okay. Good. Yes, Kevin Buffenmore, 19 March. Mm-hmm. Sébastien Frelich, 26 March. Yeah, I know his name. We've televised him. Yes, he's a great neurosurgeon. School-based surgery. Well, we want to bring the French neurosurgeon. In Lariboisière. Yes, he works in Lariboisière in Paris. Great. Henri Dufour is from Marseille, Latimone. And Kevin Buffenmore is from Nantes. It's a big city on the west of France. Okay. Michel Calomirides is a professor in Paris. It's at Necker, Hospital Necker. Mm-hmm. Philippe Rigouard, not the nine. Oh, a lot of people. How many presenters? Five for the moment. But I good, have. That's good. That's very good. That's yes. Very good. Yes, you can have as many as you want. Yes. Okay. Yes. But of course, you have to let me know so I can make the time arrangement. Yes, yes. Okay. I'm learning how to do that now. When I schedule too close, it's too much, too nerve wracking. Okay. So the idea is to start, as I told you, with the French speaker, but with the time we can have our friend from all the world, English speaker too. Okay. We can do the translation. Okay. Yes, it's important. Okay. Yeah, we can explore. We can explore. Yes. We can try things. Yes. If it doesn't work, okay, we do something else. That's all. That's the thing about people are afraid to try things because they look bad. No, hey, we make mistakes. Okay, we'll try something. Okay, doesn't work. Okay, we go somewhere else. Okay. So no problem. We try.
Oh, here's the Japanese. Oh my God, Takashi. He's a Japanese neurosurgeon. I don't know why he's here. He's not going to speak French. Welcome, welcome, and French. you know Takashi. French, right? Speaking neurosurgery. Yes. Takashi's a he translates our big webcast. Ah, Takashi, I know him. I know him. Takashi, you there? On the web, but I don't know him personally. Yeah, he and Ben Hu do the translation. Are you there? Maybe, I don't know if he came in or not. Anyways, okay, I'll be back in a minute. I gotta do some last minute stuff, okay? Okay. Let's see here. Some French music, no? I can't do that because I can do it. No, please, because let me explain. This is important. Yes. When you play music on the internet, we're live because we're on YouTube. Yes, we're live. Relax. We can do it. We're live now. We're not on Zoom, but we're live on YouTube. And YouTube, they have robots that listen to everything. And if they hear any music, if they hear on YouTube any music that has a copyright, boom, they stop it. Right? Yes. They have robots do that. And I'll put some background music on sometimes. And YouTube will send me a violation. Just background music. Mm-hmm. So they're very strict with, and you don't want to fight with YouTube. They'll send you a violation. They'll say, take the music out of your broadcast or whatever. But they give you an option. They're not really mean. They're strict. They just give you an option. Take the music out. Yeah. So I pick that and they take it out. Do you know what I mean? Yes. Yeah, very strong organization, very strong copyright. Ah, yes, okay. Yeah, so that's okay. You just play the rules, that's all. Okay, I'll be back. Okay.
Hi, Dr. Cabullo. Yes, Dr. John, how are you? Okay, hi, are you coming in? Yes, I'm in already. Oh, okay, I'm sorry, okay. I'm sorry about that. Okay. Hi, Dr. Cabullo, I didn't see you. Hey, John. Hello, how are you doing? Who's that? Good evening, everyone. Oh, good. Welcome. Takashi-kun from Japan. At night, 2 a.m. Oh, yeah. Taki, how are you doing? Hey, I'm fine. Oh, it's good to see you. Yeah. I'd like you to meet Saeed Taha. Unmute Saeed. Hi, Takashi. How are you? Hi, good evening. Good evening. Nice to see you. So I'm neurosurgeon on Reunion Island. It's near Mauritius. He's in Japan, Tokyo, Japan. Yeah. It's an island off Africa, Reunion. I didn't know where it was. It's off the east coast of Africa. Yes, south, yes. Okay. Ocean, Indian Ocean, near Mauritius. Yeah, well, you know Saeed, we're flexible. If you want to take us on a tour of your area, like you did before, you don't have to, but you know, maybe in the future, we'd like to take a tour. We did that before, right? Did we do that before, Saeed? No. Saeed? Yes. Excuse me. Yeah, didn't we do a tour of Reunion before? Did we or no? The tour of Reunion? Yeah, did we do that on your webcast? I think we took... You took us around the island, right? The first time, like when I treated. Yeah, you took us Cesura, on a tour. Tontoria and Cesura, yes. Right. Okay, we got 2 minutes. We can wait a few minutes, but I think we can start. We have enough people, and we'll get more people as we go along. Mm-hmm. Okay, everybody, please mind your mute button. We have Dr. Cabullo right now. Yes, Dr. Cabullo, he's present. Yes, he's using a different name. Hello, Kentenga. Hello, Dr. Saeed. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va bien, merci. Ben, heureux de vous voir et de participer à ce webinaire qui est très très important. Effectivement. Ouais, donc on attend beaucoup de ce webinaire. Hein, d'avoir le maximum de neurochirurgiens qui partent français ou pas. Donc, c'est l'essentiel. D'abord, réunir la communauté française, d'échanger un peu nos connaissances. We got 1 minute. Et par la suite, bien sûr. Okay. 1 minute. Okay, from here on in, I'm just going to basically give an introduction to you, Saeed. Yes. Welcome you, and then from then on, it's all French, until the very end. You say, "Okay, Dr. Bennett, we're done," but I'll be here if you have any questions or problems. Okay. 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 I'm waiting for my co-moderator, Dr. Okay. Adrien. Bordoff. Adrien Carr. Yes. Carr. Yeah, he just arrived here. Yes, just arrived. Yeah. Bonjour, Adrien. Comment tu vas? Ça va très bien, toi. Dr. Cabullo, I'm going to take you off the screen share because I want people to see your face, okay? When they are introduced.
and then you can go for your screen share. But you're an old pro at this. Okay, is your co-host here, Saeed? Yes. Okay, we can go. Yeah, okay, your co-host is here? Yes, okay, here we go. Okay, here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good afternoon from Miami Beach. This is Dr. John Bennett for Neurosurgical TV. Look at the camera. It's a pleasure to announce the start of the French Neurosurgery Grand Rounds. Saeed Taha from Reunion Africa, off the coast of Africa, an island, came to me with the idea, and I agreed heartily. So from here on in, it's going to be French. So welcome, Saeed. It's all yours. Thank you very much, John. And thank you for all that you do. And I'm happy to be with you today. Okay, now French, all French. French, please. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, je ne sais pas, donc, par rapport au décalage, donc chez moi il fait soir, c'est le soir. Donc je vous remercie d'abord donc, d'être parmi nous, et l'idée de ce webinaire, c'est de connecter toute la communauté neurochirurgicale de langue française, mais je pense qu'avec le temps, donc, on ira au-delà, donc, avec nos amis neurochirurgiens du monde entier, donc, qui parlent généralement l'anglais. Voilà, donc, bien à vous, on compte beaucoup sur vous pour participer et faire vivre ce webinaire. Aujourd'hui, on va commencer par le docteur Dieu Kaboulou, qui va nous traiter du Congo, qui va nous parler des abcès cérébraux. Docteur Kaboulou. Oui. À vous. Merci beaucoup pour la parole, docteur Taha. Je salue aussi tout le monde qui est venu nous suivre aujourd'hui pour ce premier webinaire en français. Donc, c'est Dr Kaboulou, je suis neurochirurgien à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, où j'exerce à l'hôpital provincial Janson Sendré. J'ai été formé au Zimbabwe sous le professeur Kalangu à l'Université du Zimbabwe. Alors, aujourd'hui, on va parler des abcès cérébraux. J'ai mis ça un peu très simple parce que je savais qu'il y a aussi des étudiants en médecine qui vont rejoindre. C'est pourquoi j'ai mis ça un peu très simple là. Et je vais beaucoup m'atteler à la physiopathologie et le traitement. Comme il y a les aînés qui sont là, on va maintenant partager l'expérience avec tout le monde, la façon dont ils sont en train de faire aussi chez eux. Donc, voilà un peu comment j'ai structuré ça. Je vais m'atteler beaucoup à la physiopathologie et le traitement. Je vais bosser et puis tout le monde va intervenir un peu. Voilà. En termes d'introduction, l'abcès cérébral, c'est une suppuration intracrânienne qui est d'origine infectieuse et qui se développe au sein du parenchyme cérébral. Donc, effectivement, dans d'autres lieux, c'est une pathologie un peu rare, mais qui a un pronostic grave. Et depuis une vingtaine d'années, quand même, il y a eu amélioration de la prise en charge de ça, parce que le taux de mortalité lié aux abcès a diminué davantage. Et c'est parti de 38% durant les années 1950, à 25% dans les années 80, et de nos jours, c'est 5 à 10% de taux de mortalité. Donc, et c'est là, le taux a diminué grâce à, comme vous voyez, à la nouvelle imagerie qui a permis un diagnostic précoce. C'est aussi grâce à l'amélioration des techniques microbiologiques, grâce à des avancées des techniques en neurochirurgie. Aujourd'hui, on utilise maintenant la neurochirurgie stéréotactique pour aspirer même les petits abcès qui se trouvent dans des zones, par exemple, éloquentes. Et cela aussi, c'est grâce à des avancées en neuroanesthésie et des soins intensifs en neurochirurgie. Cela aussi, grâce à l'arrivée des nouveaux antibiotiques à large spectre et surtout
la meilleure compréhension de la physiopathologie et aussi la meilleure compréhension de la meilleure prise en charge de l'hypertension intracrânienne. Donc, en termes d'épidémiologie, il y a aux États-Unis, par exemple, environ 1500 à 2500 cas par an et l'incidence annuelle est de 1 sur 10 000 hospitalisations. Donc, l'incidence est plus élevée dans les pays en voie de développement que dans le pays développé. Et les hommes sont plus touchés que les femmes. Et par exemple, en Inde, les abcès cérébraux représentent approximativement 8% des lésions de masse intracrânienne, mais dans les pays développés, cela représente 1 à 2%. Donc, l'incidence élevée dans les pays développés est souvent attribuée à l'augmentation exponentielle du nombre de patients immunodéprimés. Donc, ça peut être une immunodépression liée à l'infection VIH, ça peut être liée à la chimiothérapie, un patient avec cancer qui reçoit la chimiothérapie. Ça peut être à une corticothérapie prolongée, donc ce qui fait que qui augmente l'incidence dans les pays développés. Et les abcès sont souvent rares chez les enfants, et quand ça arrive chez les enfants, c'est souvent entre l'âge de 4 à 7 ans. Et par exemple, à l'Université de Virginie, à l'hôpital des enfants, de 2000 à 2007, l'incidence des abcès cérébraux chez les enfants était de 1,5 enfants par an. En termes d'historique, la première référence date de l'ère hippocratique, bien sûr, avant Jésus-Christ, où Hippocrate avait rapporté un patient qui était fébrile avec une otorrhée purulente et un délire. Et selon Hippocrate, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait conclu en une infection intracrânienne comme le foyer principal de l'infection et l'oreille comme le foyer secondaire, et que le conduit auditif était en train de drainer et les suppurations intracrâniennes vers l'extérieur. Alors, il y a Sir William qui a été le premier médecin à diagnostiquer, localiser et suggérer un traitement chirurgical de l'abcès cérébral chez un patient, bien que le sauveur François Morin aurait déjà décrit la maladie avec une proposition thérapeutique. Et aussi, il avait décrit la première description du drainage réussi d'un abcès cérébral non traumatique. Donc, voilà un peu un papier qui a été écrit 100 ans après le cas de M. William, quand il avait opéré. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il insistait beaucoup sur... le traitement qu'il recommandait, c'était... le drainage du processus infectieux et surtout les traitements de la sinusite sous-jacente. Et il a été le premier à rapporter 80% des survies, donc il avait quand même un succès. Sur 10 drainages, il pouvait sauver 8. Voilà. En 1926, M. Dandy avait recommandé l'aspiration comme principale modalité de chirurgie. Et d'abord, Vincent préconisait l'extirpation chirurgicale complète des abcès cérébraux. En 1971, M. Heinemann et ses collègues ont été les premiers à signaler la prise en charge médicale réussie d'un abcès cérébral. Ça, c'était en termes d'historique. Et les facteurs de risque, souvent, ce sont les infections pulmonaires, quand on a des abcès pulmonaires, les fistules artério-veineuses, des cardiopathies cyanogènes, endocardites bactériennes, un traumatisme crânien par pénétration, des sinusites chroniques, de l'otite moyenne et aussi l'immunodépression. Donc, en termes d'anatomopathologie, ce développement est lié souvent à la microvascularisation artérielle qui présente une architecture originale lors du passage de la substance blanche. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Les petites artères sous-corticales, après avoir traversé perpendiculairement le cortex, prennent un aspect en spiralé. En collimation, en constituant des boucles de plus l'espace entre la gaine adventitielle et les vaisseaux est élargi. Donc, avec cet aspect-là en spiralé, ça ralentit maintenant la circulation sanguine, ce qui expliquerait la prédisposition des abcès à ce niveau-là, et c'est entre la jonction substance grise et substance blanche. Donc, la constitution d'un abcès cérébral par plusieurs étapes. Donc,
quand ça se forme entre les deux là, et maintenant, comment ça se forme? Ça se forme dans plusieurs étapes. L'abcès cérébral, on parle souvent des voies de contamination. Et la plupart d'auteurs parlent des trois voies. Il y a la par contiguïté, il y a la voie hématogène, où on parle souvent des abcès métastatiques, et aussi par inoculation directe. Et quand on parle d'inoculation directe, on voit traumatisme par pénétration, on voit aussi la chirurgie, parce que les cas de chirurgie, l'opération peut aussi entraîner un abcès. Donc, on commence par la propagation hématogène. Qu'est-ce qui se passe? Ces abcès de la voie hématogène sont fréquemment multiples et se développent, comme je l'ai dit au début, à la jonction entre la substance grise et la substance blanche. Et parce que là, comme j'ai expliqué la microvascularisation, le débit sanguin cérébral est plus bas à ce niveau-là. Et ces abcès représentent 20 à 25% des cas. En termes de fréquence, c'est par contiguïté où on n'a plus d'abcès et puis suivi de la voie hématogène et par inoculation directe. Donc, leur mortalité est restée élevée en raison de leur multiplicité du terrain sur lequel ils surviennent. Les causes pulmonaires, là, on voit les infections pulmonaires, pleuropulmonaires, qui sont la source la plus fréquente des abcès cérébraux. Par exemple, on peut avoir un abcès cérébral, un abcès pulmonaire, je m'excuse, une bronchiectasie ou une pleurésie pulmonaire qui peut être comme source. Et les causes cardiaques, on a parlé au début, c'est presque les cardiopathies congénitales, cyanogènes, où on a la tétralogie des Fallot. Je me rappelle, on avait même publié un cas d'un enfant de 7 ans qui avait eu un abcès cérébral avec une tétralogie des Fallot qui était non diagnostiquée. Donc, c'est à partir de l'abcès cérébral, pendant qu'on était en train de chercher le foyer primaire, qu'on avait diagnostiqué la tétralogie des Fallot. Donc, il y a aussi la transposition des gros vaisseaux qui peut être à l'origine de ça. Donc, ceci représente la majorité des causes des abcès chez les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une cardiopathie cyanogène? Il y a l'augmentation de l'hématocrite et la faible pression partielle de l'oxygène chez ces patients-là qui fournissent un environnement hypoxique adapté à la prolifération des abcès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec ces fistules, les germes sont en train d'éviter le filtrage au niveau du poumon. Donc, ça ne passe pas par le filtrage au niveau du poumon et ça passe directement vers le cerveau qui est le site préférentiel. Alors, autre cause des abcès métastatiques, ça peut être un sepsis, ça peut être une fistule artério-veineuse pulmonaire qui donne souvent 50%, et 50% de ces patients ont le syndrome d'Osler-Weber-Rendu, qui est une telangiectasie hémorragique héréditaire. Et comme vous le voyez là, voici des capillaires normaux, mais ici, c'est une fistule simple. Et là, vous avez une fistule composée. Et en dehors de ça, parmi les autres causes des abcès métastatiques, on peut aussi avoir une endocardite bactérienne. Voilà, les abcès dentaires, surtout au niveau des molaires, peuvent aussi donner les abcès cérébraux. Maintenant, ici, j'insiste que quand une infection dentaire survient, ça peut aller par deux voies. C'est donc l'unique cause qui peut prendre les deux voies, soit par contiguïté, soit par voie hématogène. Et en dehors de ça, ça peut être une infection abdominale qui suit l'anastomose portocale au niveau des vaisseaux iliaques jusqu'au niveau du plexus de Bastogne. Et ça arrive au niveau de la colonne, ça monte au niveau du cerveau. Donc, chez les patients avec embolisation septique, le risque de formation d'abcès cérébral est élevé dans les zones d'infarctus ou d'ischémie antérieure. Donc, quelle que soit la cause de ces abcès hématogènes, ces abcès se produisent dans la distribution de l'artère cérébrale moyenne et principalement dans les lobes pariétaux et les lobes frontaux, avec une prédilection pour le côté gauche. Donc, comme je l'ai dit, ils sont fréquemment multiples et souvent multiloculés. Ils ont tendance à être moins bien encapsulés
que ceux qui se produisent par propagation à partir d'un site contigu. Donc voilà, là c'est juste un tableau qui montre la synthèse de ces abcès. Donc chaque cause pulmonaire, par exemple, ça peut être l'abcès, pleurésie, foyer supérieur thoracique, ça peut être un foyer supérieur à distance venant de la peau, de l'os, ou bien une origine intra-abdominale. Donc ça, c'est juste une synthèse de tout ce qu'on venait de parler. Et par contiguïté, c'est comme je l'ai dit au début que je vais beaucoup m'atteler à la physiopathologie, par contiguïté, c'est la cause la plus importante des abcès cérébraux. Il y a l'origine sinusienne. L'origine sinusienne, il y a plusieurs mécanismes qui arrivent. Et les abcès cérébraux d'origine sinusienne surviennent soit par ostéomyélite frontale, ethmoïdale ou sphénoïdale, ou soit par une thrombophlébite rétrograde des veines diploïques ou veines émissaires. Donc, les deux sont favorisés par l'absence des valvules au niveau de ces veines-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'os est là comme la première barrière de ces microbes. C'est un sinus qui est infecté. Il y a une muqueuse qui est là. À partir de ces muqueuses, ça peut emprunter des veines émissaires jusqu'à l'os, créer une ostéomyélite. Et dès là, vous avez la deuxième barrière qui est là, c'est la dure mère. Mais parce qu'il y a aussi des petites veines qui traversent la dure mère, ça peut traverser, aller maintenant au niveau du cerveau. Tout comme ça peut se limiter au niveau de l'espace extradural ou sous-dural pour créer l'empyème ou l'empyème sous-dural ou l'empyème extradural. Là, on ne va pas toucher aujourd'hui, on va juste se concentrer aux abcès cérébraux. Donc, ces abcès sont pratiquement toujours singuliers, souvent singuliers, et puis ça se localise à côté, juste à côté de la source. Par exemple, quand vous avez une sinusite frontale, vous avez un abcès qui se localise au niveau du lobe frontal. Alors, au niveau de l'oreille et du sinus mastoïde, ces abcès vont souvent au niveau du lobe temporal et aussi dans la fosse postérieure. Donc, vous allez trouver un abcès qui est au niveau de l'hémisphère cérébelleux, au mont latéral, qui est la source d'infection. Et en dehors de ça, il y a des sinusites ethmoïdales ou sinusites sphénoïdales. Sinusite sphénoïdale, c'est souvent rare. Et quand on a ces abcès, c'est souvent au niveau de l'lobe temporal. Et ce sont des abcès souvent qui vont même se localiser au niveau de l'hypophyse, au niveau de la selle thoracique. Et l'origine dentaire, on en a parlé, donc ils sont plus susceptibles de souvenir après une infection des molaires, comme je l'ai dit au début, car l'infection se propage entre les muscles de mastication, le long des fascias, jusqu'au niveau du crâne. Et souvent, ça survient, vous verrez que le malade va vous parler qu'il y a eu une intervention dentaire, soit on a fait la vulsion dentaire, soit il y a eu une opération qui s'est passée au niveau de la bouche à cause de cette infection, et puis ça se propage. Maintenant, du côté de l'oreille, j'en ai déjà parlé, que c'est souvent vers le lobe frontal et de la fosse postérieure. On peut avoir des abcès au niveau du cervelet. Alors, les infections de la face peuvent aussi aller là-bas parce que ici, il y a la veine faciale qui communique avec les sinus caverneux par des veines avalvulaires, donc qui n'ont pas de valves, ce qui fait que l'infection peut quitter la face facilement et entrer là. Ça peut vous donner des abcès, ça peut vous donner une thrombose des sinus caverneux. Il y a un triangle qu'on appelle triangle de la mort qui, quand vous prenez les deux bouts de la commissure labiale jusqu'au niveau du nasion, donc ça forme un triangle, on appelle souvent triangle de la mort. Chaque fois qu'il y a une infection à ce niveau-là, vous avez une thrombophlébite rétrograde, ça peut aller jusqu'au niveau du sinus caverneux et créer un dommage, par exemple, intracrânien. Donc, les abcès d'origine méningitique sont souvent rares et ça se présente souvent chez les enfants qui ont eu une méningite, chez le nouveau-né souvent, mais c'est souvent rare. Voilà un petit tableau qui synthétise encore selon l'origine et la localisation. Par exemple, quand on parle de sinusite sphénoïdale, ça peut se localiser au niveau des lobes frontales, ça peut être au niveau de la selle thoracique. Par exemple, une otite ou une mastoïdite, c'est souvent au niveau du lobe temporal et au niveau du cervelet.
Par inoculation directe, c'est ici qu'on a parlé des. Ça peut être une chirurgie, ça peut être un traumatisme par pénétration. Et après un traumatisme par pénétration, le risque de formation d'abcès suite à des blessures par balle est probablement très faible à cause de l'utilisation. Parce que, premièrement, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait quand on a une lésion ou bien une embarure ouverte, on commence directement avec les antibiotiques, ce qui réduit un peu la survenue d'abcès. Mais aussi souvent quand il y a fistule de LCR qui n'est pas réparée, qui ne répond pas au traitement médicamenteux. Donc, ça peut à la longue développer un abcès cérébral. On parle toujours qu'il faut aspirer, mais souvent quand il y a un abcès qui est d'origine traumatique par pénétration, on demande toujours d'y aller, faire le débridement chirurgical ouvert pour éliminer le corps étranger et les tissus dévitalisés. Donc, il faut enlever le corps étranger qui est là parce que quand vous aspirez que le corps étranger reste, ça peut toujours récidiver. Alors, ces abcès résultent soit des fragments osseux contaminés qui entrent dans les cerveaux, soit ce sont des corps étrangers, soit c'est les cheveux du malade. Parce que ça s'enfonce, les cheveux entrent et ça reste à l'intérieur, ça crée un abcès. Maintenant, ces fragments, surtout quand on parle de balles, même traumatisme par balle, quand quelqu'un a été tiré à la tête, souvent il y a l'antibiothérapie qu'on donne souvent qui prévient aussi ça. Mais d'habitude, les gens ne partent pas à chercher, surtout quand on n'a pas assez de modalités, assez de facilités pour, par exemple, la neuronavigation pour enlever la balle. Les gens laissent la balle à l'intérieur et avec les antibiotiques, ça peut réduire. Mais souvent, les balles à haute vélocité, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la chaleur qui se forme et quand ça entre, ça brûle. Et ça, c'est comme si ça stérilise. Là, le risque est très faible de développer les abcès. Et les abcès post-opératoires, ça survient souvent quand on fait des chirurgies ou il y a communication avec l'extérieur. Il y a par exemple infection de la plaie ou infection du volet osseux quand on a ouvert. Ça peut entraîner un abcès. Donc, il y a aussi l'origine cryptogénique où dans un nombre de cas, on n'a aucune cause primaire qui peut être évoquée. Et ils sont de nature embolique et proviennent de lésions minuscules donnant lieu à une bactériémie. So, une telle bactériémie peut survenir lors des interventions chirurgicales sur les amygdales et les dents. Les agents pathogènes, les cultures d'abcès cérébraux sont stériles dans 25% des cas. Et d'habitude, pourquoi c'est stérile? Parce que chaque fois qu'on soupçonne, on commence déjà avec les antibiotiques alors qu'il fallait peut-être prendre un échantillon, envoyer et faire la culture. À chaque fois qu'on a déjà commencé avec les antibiotiques, ça donne toujours une culture négative. Et en général, le streptocoque est l'organisme le plus fréquent. Mais plusieurs organismes peuvent être cultivés à des degrés divers, généralement dans seulement 10 à 30% des cas. Lorsque les secondaires à une sinusite fronto-ethmoïdale, c'est souvent les streptocoques. Et quand c'est une otite moyenne ou une mastoïdite, ou un abcès pulmonaire, généralement plusieurs organismes peuvent être cultivés, y compris les streptocoques anaérobies, les bactéroïdes et les entérobactéries. Et quand c'est d'origine traumatique, post-traumatique, généralement c'est le staph aureus ou les entérobactéries. Et souvent on peut aussi trouver les actinomyces en cas de d'origine dentaire. Et en cas de procédure neurochirurgicale, on a les staphylocoques epidermidis. Ici, c'est pourquoi on insiste toujours en neurochirurgie pendant qu'on est en train de préparer le malade. Il faut laver la peau, il faut nettoyer avec un désinfectant, il faut bien préparer la peau pour ouvrir. Sinon, on risque de prendre les germes propres du malade qui se trouvent sur la peau et les inoculer dans les cerveaux. Chez l'hôte immunodéprimé, c'est souvent en cas de transplantation chez les malades souffrant de VIH-SIDA. Et là, les organismes les plus fréquemment rencontrés, c'est Toxoplasma gondii, il y a Candida, surtout les infections fongiques. Et chez les nourrissons, les grammes négatives sont courants.
car la fraction de l'immunoglobuline M, les anticorps ne traversent pas le placenta. Donc, voici maintenant les quatre étapes de formation d'un abcès cérébral. Ça passe par quatre étapes. La première étape, c'est l'encéphalite présuppurative précoce, qui ne dure que 3 jours. Et puis, c'est l'encéphalite présuppurative tardive, de 4e au 9e jour. L'abcès cérébral avec formation des capsules. Donc, c'est comme on dit, la phase capsulaire précoce, c'est du 10e au 13e jour. Et la phase capsulaire ou abcès cérébral encapsulé, c'est de 14 jours au-delà. Qu'est-ce qui se passe maintenant pendant la première phase? Pendant la première phase, c'est histologiquement, on a un centre nécrotique qui peut être associé à des thromboses veineuses. Ce centre est constitué de cellules inflammatoires de nombreux germes. Ce centre est entouré d'une réaction inflammatoire faite des cellules macrophages et des fibroblastes. Et le tout encerclé par une formation des tissus réticulés. Ce qui fait qu'à ce stade, c'est rare que l'abcès puisse prendre le contraste quand on fait le CT scan avec injection de contraste. Et souvent, quand vous voyez au scanner, c'est un peu difficile, bien sûr que vous pouvez voir, mais un peu difficile de différencier la limite de l'abcès avec le parenchyme sain. La deuxième étape, la deuxième phase, c'est l'encéphalite présuppurative tardive. Ici, on a un exsudat avec destruction des filets nerveux sous forme d'une collection nécrotique entourée de parenchymes inflammatoires et édématés. Donc, le stent nécrotique commence à s'agrandir en raison de la formation du pus, qui est entouré d'une zone de cellules inflammatoires et des macrophages. Donc, les fibroblastes ici commencent à créer un réseau réticulaire qui est le précurseur de la capsule de collagène. Parce qu'enfin, on va parler de la phase capsulaire, c'est la capsule de collagène. Et l'œdème est maximal à ce stade. Donc, c'est comme vous voyez. Et maintenant, à partir de cette deuxième phase, il y a prise minimale de contraste au niveau de l'abcès. Mais c'est pas évident, c'est pas franc quand vous voyez ça. Donc, la troisième phase, il y a maintenant la propagation de l'infection et la destruction subséquente des parenchymes. Et qu'est-ce qui se passe? La capsule en développement est entourée maintenant d'une zone active d'hyperplasie vasculaire. Et c'est parce qu'il y a maintenant une zone d'hyperplasie vasculaire, c'est ce qui va faire qu'il y aura maintenant prise de contraste pendant qu'on va injecter. Il y a des cellules inflammatoires qui peuvent observer et qui peuvent s'observer là-bas, infiltrant les leptoméninges, et aussi du côté médial et ventriculaire de l'abcès, la formation de la capsule est lente et incomplète. Là, c'est ce qui fait que à chaque fois, quand il y a une rupture de l'abcès, souvent ça se déverse dans les ventricules parce que la capsule est souvent incomplète et la capsule elle est mince du côté ventriculaire. Comme vous voyez, cette image-là, c'est un abcès qui s'est formé, mais qui s'est rupturé dans les ventricules. Donc, et la dernière phase, c'est quand vous avez maintenant un abcès bien formé. Et cet abcès amène 5 zones histologiques. Et les 5 zones, quand on y va de l'intérieur vers l'extérieur, on a un centre nécrotique, on a une zone périphérique des cellules inflammatoires des fibroblastes, et après, c'est la capsule de collagène. Après la capsule de collagène, vous avez une couche de néovascularité, et enfin, vous avez maintenant zone d'œdème. Là, c'est un abcès franc. Donc, présentation clinique, je ne vais pas m'atteler là parce que les signes cliniques sont très variables. Et ça dépend de la localisation de l'abcès, ça dépend de la taille, ça dépend du nombre d'abcès ainsi que du micro-organisme en cause. Classiquement, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle la triade de Bergman. C'est l'hypertension intracrânienne, un syndrome infectieux, signe neurologique de localisation. Au niveau du syndrome d'hypertension intracrânienne, on ne va pas y aller, il y a des nausées, il y a des céphalées, il y a vomissement et surtout vous verrez qu'il y a un œdème papillaire. C'est pourquoi c'est toujours important de faire le fond d'œil, mais l'œdème papillaire ce n'est pas un signe précoce, c'est un signe tardif parce que ça montre qu'il y a maintenant hypertension intracrânienne et que l'œdème s'installe, donc le patient va se plaindre d'une vision floue. Donc un syndrome infectieux, la plupart on dit toujours que l'abcès cérébral est affébrile. Quand
ça devient fébrile, c'est-à-dire il y a rupture, donc ça s'est rupturé, et puis il y a maintenant propagation des germes et la fièvre survient. Mais la fièvre peut aussi survenir, on peut avoir des fébricules, on peut avoir des fièvres, la fièvre qui survient parce qu'il y a une localisation primaire quelque part qui fait que le patient puisse être fébrile. Et les signes de localisation, ça dépend de la localisation, comme je l'ai dit au début, ça dépend de la localisation de l'abcès. Et puis, quand c'est en frontal ou en temporal ou en occipital, on sait comment ça fait. Donc, par exemple, si c'est en frontal, vous pouvez avoir un déficit moteur. Quand c'est dans la fosse postérieure, on peut avoir des signes cérébelleux, ainsi de suite. Donc, surtout, vérifiez, demandez dans l'histoire si votre malade a convulsé, parce que les convulsions sont aussi très précoces en cas d'abcès cérébral. Et à l'analyse sanguine, on peut faire la numération des globules blancs, l'hémoculture. Souvent, l'hémoculture est négative. Donc, ça n'exclut pas que le malade a un abcès cérébral. On peut faire la vitesse de sédimentation où la protéine c'est réactive. Maintenant, avec la vitesse de sédimentation et la protéine c'est réactive, c'est pas spécifique. Bien sûr, c'est sensible, mais c'est pas spécifique aux abcès cérébraux. Mais ça peut nous aider à faire le suivi du traitement pour dire que le traitement a répondu ou non. Donc, c'est très important pour le suivi du malade, mais ce n'est pas spécifique pour les abcès du cerveau, parce que ça peut être élevé aussi dans d'autres états inflammatoires qui ne sont pas infectieux. L'analyse de LCR, ici, il y a un problème. On parle toujours de ne pas faire une ponction lombaire quand on a un processus expansif, parce qu'il y a risque d'engagement. Mais il y a des gens qui parlent si, par exemple, des abcès sont encore très petits et que vous avez le scanner qui montre qu'il n'y a pas effet de masse, on peut toujours faire. Et qu'est-ce qui va montrer? Ça va montrer une légère augmentation des protéines dans les LCR. Mais le taux de glucose, souvent, généralement c'est normal. Donc, la ponction lombaire est contre-indiquée quand on a ça, parce que ça peut causer l'engagement, tout comme ça peut aussi favoriser la rupture de l'abcès. Il y a aussi maintenant, actuellement, là, les techniques moléculaires qui peuvent maintenant augmenter le nombre d'agents microbiens à identifier dans les abcès. On peut maintenant faire les séquences d'ADN ribosomique bactérienne qui peut nous fournir des indices fiables pour l'identification des agents pathogènes inconnus. À l'imagerie, il y a différents types d'imagerie qu'on peut utiliser. Il y a la radio qui est obsolète ces jours. Il y a l'IRM, il y a le scanner, il y a l'imagerie par donc l'IRM par diffusion. Il y a aussi la spectroscopie qu'on peut faire. Maintenant, la radio du crâne, quand on est dans des milieux reculés où on n'a pas les scanners, ça peut quand même vous guider à montrer le foyer primitif. Ça peut vous montrer qu'il y a une sinusite, par exemple, frontale, qu'il y a une sinusite maxillaire. Voilà. Mais ça ne va pas vous donner la localisation, ça ne va rien vous parler de l'abcès qui se forme dans le cerveau. Et le scanner, avec injection de produits de contraste, reste l'examen de référence jusque-là. Pourquoi? Parce que sa sensibilité lors du premier examen se situe entre 90 et 100%. Mais aussi, ça permet le repérage des lésions en vue d'une éventuelle biopsie stéréotaxique. Ça peut aussi se faire en urgence. On peut aussi avoir le scanner en urgence par rapport à l'IRM. Et puis, voilà, son intérêt pour suivre l'évolution du malade. Le coût aussi, par exemple. Et au scanner, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'image que j'ai montrée encore au début. Il y a l'encéphalite présuppurative, précoce, tardive, et la phase capsulaire, et puis l'abcès maintenant encapsulé, là, qu'on peut voir. Ici, en haut, c'est sans contraste, et en bas, c'est le scanner avec injection de produits de contraste. À l'IRM, ici, j'ai pris juste ce qui se passe vers les phases un peu avancées, mais c'est l'image que j'ai montrée. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de cérébrite? En T1, vous avez une hypo-intensité, et en T2, il y a une hyper-intensité.
Mais la phase capsulaire, qu'est-ce qui se passe? En T1, vous avez une lésion qui est au centre, qui a un faible signal, donc c'est hypo-intense, et puis la capsule qui est hyper-intense. Là, c'est en T1, et vous verrez aussi maintenant un œdème qui est hypo-intense autour de la lésion, donc un œdème périlésionnel. Mais en T2, le centre est iso ou hyper-intense, et la capsule est noire. Parce que ça a des collagènes, comme vous voyez en T2 ici. La capsule, vous pouvez bien l'identifier, c'est hypo-intense D. Et là-bas, je m'excuse. Et puis, on a une hyper-intensité autour de la capsule, c'est l'œdème qu'on voit là-bas. Voilà, encore ici. Ici, c'est en T1. Ici, c'est T2. On peut aussi faire la spectroscopie. Ça va beaucoup nous aider pour différencier maintenant l'abcès cérébral d'une tumeur cérébrale. Ça peut nous aider à différencier l'abcès cérébral des abcès tuberculeux. Donc, ça peut aussi nous aider à différencier avec beaucoup de choses quand on fait, parce qu'on va voir qu'il y aura les lipides en cas d'abcès qui sont là. Il y a l'acétate aussi qui est légèrement augmenté, ce qui n'est pas rencontré dans le métastase, par exemple, ou dans les tumeurs malignes du cerveau. L'IRM par diffusion, encore très important ces jours, ça peut nous aider maintenant à localiser même l'abcès qui commence, qui vient de commencer, on peut le localiser. Alors, autres choses à faire, évaluation additionnelle, toujours faire la radio du thorax, bien sûr si c'est indiqué, à la recherche d'une source pulmonaire, toujours faire l'écho cardiaque à la recherche d'une cardiopathie cyanogène, et aussi autre chose, donc il faut faire le Doppler, l'échographie par exemple de l'abdomen pour chercher le foyer primitif. Le traitement implique généralement le traitement chirurgical où on peut drainer l'abcès, où on peut exciser l'abcès. Le traitement implique aussi la correction de la source principale. Parce que quand on traite seulement l'abcès et qu'on ne fait pas le contrôle de la source, on ne fait rien parce qu'il y a toujours risque de récidive. Et aussi l'utilisation à long terme des antibiotiques. Donc, le traitement médical seul est plus efficace quand le traitement débute au stade de l'encéphalite, avant l'encapsulation. Donc, c'est aussi efficace quand les lésions sont inférieures à 2,5 et les autres parlent de 3 cm. Le traitement médical est très efficace. Le traitement médical est aussi efficace quand la durée des symptômes est encore inférieure à 2 semaines. C'est presque la même chose que ce que j'ai dit au début, parce qu'il n'y a pas encore formation de la capsule, on peut traiter très bien. Et les patients présentent une nette amélioration clinique autour de la première semaine. Donc, quand vous détectez en première semaine où il y a encore la phase de l'encéphalie, vous commencez avec le traitement médical, ça donne souvent de bons pronostics. La prise en charge médicale seule est envisagée souvent quand le candidat n'a pas d'indication chirurgicale, il y a des comorbidités. Un candidat non chirurgical, on peut le traiter médicalement. Et un patient avec des abcès multiples, surtout s'ils sont petits, trop petits et multiples, c'est un candidat à une prise en charge médicale seule. Et aussi quand les abcès sont dans des endroits mal accessibles, par exemple dans le tronc cérébral. Là, avec maintenant la neurochirurgie stérostatique, on peut toujours y aller et drainer. Et voilà. Quelques indications de la chirurgie, quand il y a effet de masse, quand il y a évidence d'une élévation de la pression intracrânienne, quand le malade commence à se détériorer du point de vue neurologique. Et les abcès fongiques, souvent, il faut toujours y aller en chirurgie. Quand les abcès sont multiloculaires, vous voyez un abcès avec un peu des cloisons à l'intérieur, là, c'est une indication d'une chirurgie. Et aussi, quand il y a échec de traitement médical, il faut maintenant aller par la chirurgie. Donc, pour le traitement médical, comment on sélectionne les antibiotiques? Souvent, quand l'agent pathogène n'est pas connu, et en particulier, si c'est staphylocoque qui est suspecté, et s'il n'y a pas d'antécédent de traumatisme ou de procédure neurochirurgicale, donc le risque de staphylocoque à méticilline résistante est très faible.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut commencer par vancomycine. On donne plus les céphalosporines de troisième génération. On peut prendre cette réaction ou utiliser cefepime, par exemple, si post-chirurgical. On y associe métronidazole. Et chez l'adulte, on donne souvent 500 mg toutes les 6 à 8 heures. Et alternative, on donne cefepime plus métronidazole, qui est meropenem. On peut donner meropenem, qui est aussi un bon antibiotique qui peut aller donner de bons résultats. Là, c'est quand on ne connaît pas la source et qu'on suspecte, par exemple, les staphylocoques. Et souvent, il faut toujours apporter un changement à ce traitement si on a maintenant les résultats de la culture. Et si la culture ne montre que des streptocoques, là, on peut utiliser la pénicilline G seule ou avec cefixime. Et si la culture montre un staphylocoque doré sensible à la méticilline et que le patient n'a pas d'allergie au bêta-lactamine, on peut changer la vancomycine en amoxicilline. Et aussi, si ce sont les cryptocoques, bien sûr, on peut donner l'amphotericine aux malades. Et chez les patients atteints du VIH-SIDA, souvent c'est les toxoplasma qu'on dit, c'est aussi les cryptocoques. On recommande toujours de donner le Bactrim. La durée d'antibiothérapie, c'est un sujet de controverse. Il y a des gens qui parlent de 6 semaines, il y a des gens qui parlent de 8 semaines. Il y a des gens qui parlent de 6 semaines intraveineuses, donc les antibiotiques en intraveineux. Mais il y a des écoles qui donnent 2 semaines d'antibiotiques intraveineux et puis 4 semaines d'antibiotiques à peros. Les corticoïdes, c'est quoi le rôle des corticoïdes dans ce traitement? Bien sûr, quand on donne les corticoïdes, ça réduit l'œdème, ça diminue la probabilité d'encapsulation fibreuse de l'abcès, mais peut réduire la pénétration des antibiotiques dans l'abcès. La corticothérapie peut aussi supprimer l'immunité, comme on connaît la corticothérapie prolongée. C'est pourquoi on dit toujours que les corticoïdes sont réservés quand le malade commence à se détériorer avec un effet de masse très marqué qu'on peut voir au scanner et que le malade est prêt pour aller en salle d'opération. Vous préparez votre malade pour aller l'opérer et que le malade commence à se détériorer, il y a un effet de masse important, vous donnez les corticoïdes, le malade, vous les récupérez, vous les remontez et puis vous l'amenez maintenant en salle d'opération. Mais sinon, il n'y a pas d'indication parce qu'il y a risque de fragiliser la capsule et rompre l'abcès. Donc, les convulsions, comment on fait? On me donne toujours la prophylaxie anticommissiale parce que les patients ont toujours tendance à convulser quand ils ont des abcès cérébraux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui parlent d'une durée d'un an ou deux ans quand on a drainé l'abcès. Il y a des gens qui parlent de donner la prophylaxie jusqu'à quand le malade sera sans convulsion pendant 6 mois, on peut maintenant arrêter. Maintenant, ça dépend maintenant de si le malade a convulsé avant et si le malade n'a pas convulsé et que vous y allez pour drainer l'abcès. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le suivi? Si le traitement réussit, l'imagerie devrait montrer une diminution des degrés d'amélioration de l'anneau, donc la prise de contraste. L'imagerie doit montrer une diminution de l'œdème. L'imagerie doit montrer aussi la diminution de l'effet de masse et de la taille des lésions. Là, ce sont les signes à l'imagerie qui montrent que le traitement a réussi. Le traitement chirurgical, on parle de l'aspiration par aiguille. Et aujourd'hui, il y a la neurochirurgie stéréotaxique qu'on peut utiliser pour aller enlever l'abcès. On peut faire l'excision chirurgicale. Et surtout recommandé dans les abcès traumatiques pour débrider les corps étrangers qui se sont introduits lors de l'accident. Et aussi, il y a d'autres auteurs qui indiquent qu'il faut faire l'excision chirurgicale quand ce sont les abcès fongiques. Donc voilà, il y a la pratique d'instillation d'antibiotiques directement dans l'abcès qui n'a pas montré son efficacité et la plupart d'auteurs, des praticiens ont déjà abandonné ça. Maintenant, l'aspiration par stéréotaxie, ça aide maintenant à enlever même les petits abcès qui sont très profondément localisés, qui sont dans des zones éloquentes.
Un abcès qui a, par exemple, la taille de moins de 3 cm, mais qui est au niveau du tronc cérébral, on peut l'aspirer par stéréotaxie. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on est en train d'aspirer? Il faut toujours minimiser la longueur du chemin à travers le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut y aller par la voie où l'abcès est proche de la surface. Et éviter toujours de traverser les ventricules et les structures neuronales ou vasculaires vitales. Éviter aussi de traverser les sources infectées. Éviter de traverser, d'aller en joignant l'abcès, vous traversez par l'os infecté. Éviter de traverser par les sinus paranasaux ou par une plaie du cuir chevelu. Et en cas d'abcès multiple, il faut cibler maintenant l'abcès qui est plus gros pour drainer. Mais si le diagnostic d'abcès est confirmé, ici, qu'est-ce qu'on fait avec la stéréotaxie? On draine l'abcès qui est plus gros, souvent supérieur à 2,5 cm. Et puis, on prend l'abcès qui provoque l'effet de masse significatif. Et surtout, l'abcès aussi, par exemple, quand vous avez eu un scanner au début et l'abcès qui a augmenté de volume au scanner contrôle. Le pronostic, souvent, est bon quand le traitement commence au début. Le traitement est précoce, le traitement identifie, c'est un traitement approprié. Quand on a identifié le germe, on peut bien traiter. Mais sinon, c'est fatal quand on n'a pas diagnostiqué au début et que le malade se présente déjà dans une phase où il y a effet de masse et qu'on ne peut plus faire quelque chose. Parce qu'il y a déjà un gros abcès, par exemple, avec une capsule qui s'est formée, des fois, le traitement médical ne répond pas. Et quand on n'a pas de facilité chirurgicale, on peut perdre ce malade. Donc, en conclusion, les septums ne sont pas spécifiques et sont normalement en augmentation de la pression intracrânienne et de l'effet de masse, souvent maux de tête, nausées, vomissements ou léthargiques peuvent vous dire que voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parfois, il y a des crises convulsives et en cas de suspicion d'abcès cérébral, un scanner doit être réalisé pour le diagnostic, la décision et le traitement, la décision de traitement et le suivi. Donc, chez tous les patients, la condition primaire doit être traitée. Si vous soupçonnez que ce sont les sinus maxillaires qui sont infectés, après avoir drainé votre abcès frontal, il faut toujours faire le lavage des sinus pour contrôler la source primaire. Une culture de l'abcès doit être obtenue avant le traitement antibiotique, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de malades. Et aussi l'aspiration avec ou sans guidage stéréotaxique et le traitement chirurgical préférable des abcès. Je vous remercie. Ok, Saïd. Merci beaucoup, docteur Kaboulou, pour cette présentation qui est riche. Surtout au niveau physiopathologique où donc généralement donc on passe dessus et surtout pour aussi donc tous les examens à réaliser. Et effectivement, donc c'est une pathologie qui reste assez fréquente dans les pays voilà, comme l'Afrique. Nous, on est confrontés à l'île de la Réunion avec la même pathologie, avec des patients qui viennent de Mayotte ou les Africains qui passent par Mayotte aussi, qui posent parfois un grand problème et qui viennent dans des conditions difficiles où parfois on est obligé de faire des craniectomies décompressives. Donc, c'est juste un petit mot donc, sur l'identification des germes et généralement de 68% des cas, 60-70% des cas. Et surtout, ce qui est important, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire le rôle donc, de l'infectiologue qui est primordial, le rôle de la réanimation du neuroradiologue et me paraît très importante. Félicitations pour cette présentation, pour une première présentation qui paraît très, très, très bien et je pense qu'on est bien parti. Je laisse la parole à nos collègues qui sont avec nous donc, pour les questions. Adrien. Oui, bonjour.
Rebonjour et donc merci docteur Cabulot pour cette présentation effectivement très complète. Voilà, je trouvais ça très intéressant que vous mettiez en perspective donc l'aspect radiologique et physiopathologique. C'était très clair et très instructif. J'avais quelques petites questions à vous poser. Alors une question d'abord d'ordre pratique. Pour habitude, enfin c'est un petit peu comme ça que j'ai été formé, à considérer donc une excision de l'abcès après 2 à 3 tentatives d'aspiration et donc avec une troisième récidive. Est-ce que ça correspond un petit peu à votre pratique également? Est-ce que vous avez aussi un nombre limite de tentatives au-delà duquel vous passez à une approche donc d'excision chirurgicale un peu plus complète? Merci beaucoup, docteur Adrien. En tout cas, c'est parmi des rares cas dans nos pratiques. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois quand on aspire et qu'on donne, on met le patient sous antibiothérapie, on a des cas de récidive qui sont très rares. On a quand même quelques cas où on peut maintenant indiquer une excision, mais c'est vraiment rare chez nous. D'accord. Oui, effectivement, ça reste assez rare chez nous aussi. À un moment donné, du fait qu'il y avait une prédominance donc, du développement des abcès par voie hématogène au niveau donc, du territoire de l'artère sylvienne et plutôt à gauche, est-ce que vous avez, à votre connaissance, est-ce qu'il existe une explication physiopathologique à cette prédilection particulière? Merci beaucoup. J'ai pensé que prédilection à gauche, c'est peut-être parce que quand le sang quitte la haute, c'est directement vers la carotide à gauche, alors qu'à droite, il y a d'abord le tronc brachiocéphalique qui doit intervenir pour maintenant donner la carotide. Je pense que c'est ça la raison pourquoi c'est plus fréquent à gauche. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière petite question, parce que vous parliez de donc une prophylaxie anticommiciale sur une durée assez prolongée. Est-ce que vous la mettez en place de manière systématique ou bien uniquement vis-à-vis des patients qui ont présenté des manifestations épileptiques du fait de leur abcès? Merci beaucoup. Les patients qui ont présenté les convulsions, on les met déjà sous prophylaxie anticommicial, mais aussi si les patients n'ont pas présenté des convulsions et qu'ils ont eu quand même à subir une chirurgie, on met aussi une prophylaxie anticommicial. Et de même durée, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et pas seulement pendant ces 10 jours? Non, à ce moment-là, deux fois, le scanner peut nous guider. Quand on fait le scanner contrôle et qu'on trouve qu'il y a résolution complète de l'abcès et que le malade n'a plus de convulsions, deux fois, on peut stopper. Surtout s'il n'y a pas eu de conclusion au début. Très bien. Bah, écoutez, merci encore pour votre présentation et pour vos réponses. À très bientôt. Merci, docteur Adrien. Y a-t-il des questions parmi les auditeurs? Excuse me, Saïd, there's a question in the panel, in the chat. Yes. Concernant le traitement par antibiotique, la durée, on demande la durée de l'antibiotique, docteur. Ok, Camille. Merci beaucoup. Je crois que c'est la question posée par docteur Dave. Oui, la durée d'antibiotique, nous, dans notre centre, ce qu'on fait, on donne l'antibiothérapie pendant 6 semaines. Donc, on fait 2 semaines en intraveineuse et puis 4 semaines, les antibiotiques par voie orale. Et je crois que nous avons toujours des bons résultats quand on donne ça. Mais il y a d'autres centres, j'ai lu dans la littérature, qui vont jusqu'à 6 semaines. Mais nous, on se limite souvent à 6 semaines. D'accord. Antibiotiques intraveineuses, c'est 6 semaines. Puis 4 semaines péros. Antibiotiques intraveineuses, 2 semaines. Antibiotiques par voie orale, d'accord. 4 semaines. Merci. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste parler de l'IRM en diffusion, qui a vraiment donc son importance, car il permet de diagnostiquer les formes pré-suppurative, mais parfois pose aussi quelques problèmes, parce que
on a des difficultés à différencier entre abcès et tumeur débutante, mais peut être aussi intéressant pour dire la guérison définitive, c'est-à-dire et permettre de statuer de la date de l'arrêt d'antibiothérapie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je m'excuse, je ne vous ai pas bien suivi. Je disais pour l'IRM en diffusion. Oui. Est intéressante pendant la phase pré-supérative, mais également dans le suivi, elle permet de détecter la phase de guérison. D'ailleurs, et arrêter une antibiothérapie peut-être avant les dates classiques. Oui, effectivement, là, vous avez raison. Et puis, il y a une question, je crois, de Jenaba, qui dit on commence par la lésion primaire ou traiter l'abcès en premier. On commence toujours par l'abcès, vous drainez l'abcès et puis vous cherchez maintenant le foyer primaire. Par exemple, quelqu'un qui a une sinusite et un abcès frontal, sinusite maxillaire, drainez l'abcès et après avoir drainé, vous fermez les cerveaux. On ouvre toujours les cerveaux en premier. Et puis le foyer infecté après. Merci. Do the panelists have questions? Please ask the panelists if they have questions. Des questions? Ou commentaires, bien sûr. Ou commentaires. On peut partager son expérience. Bien sûr. Donc je voulais poser juste une question par rapport au Congo. Est-ce que les abcès, la fréquence un peu des abcès chez les enfants, est-ce que vous avez une idée sur la proportion d'abcès? Je pense que vous faites aussi bien pédiatrique que général, c'est ça? Oui, oui. Donc malheureusement, on n'a pas une étude qui a été faite sur ça. On n'a pas une proportion précise à donner. Mais sinon, c'est rare ici, c'est rare. Par exemple, au Zimbabwe, là que j'ai fait mes études, je voyais beaucoup de cas plus qu'ici, ici au Congo. Donc, c'est très rare. D'accord. Ça veut dire quand même que le niveau sanitaire, il est mieux développé au Congo. Bon, le niveau sanitaire est développé aussi, l'immunité aussi qui est développée, parce que peut-être quand on est à tout moment en contact avec les germes, on développe aussi l'immunité. Oui, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des noms qu'on connaît? On a Anas Majd. Je ne sais pas s'il est avec nous. Est-ce que vous avez des commentaires? Yeah, no questions, Saïd. I'm sorry I can't speak French, but if there are no questions, you can tell them about the webcast you have arranged on the 12th. Okay. Carldo. Salut Carl, comment tu vas? Tu peux enlever le micro. Active le micro. Ça y est. Est-ce mieux, vous nous recevez? Voilà, très bien, Carl. Hello. Bonjour. Bonjour. Oui, donc en fait, disons que c'est un sujet qui est toujours un peu difficile à traiter. Ça paraît très simple, mais le pronostic est parfois décevant, dans le sens où on est assez souvent amené à réaliser plusieurs chirurgies. Carl, est-ce que tu peux éteindre un des appareils? Parce qu'il y a c'est ça. Yeah, he has two computers on. C'est mieux, yes, non? Yeah, you have two computers on. Yes, tu as deux, tes deux
ordinateur marche en même temps. That's, I think that's good. Carl? Carl? I think we lost them. Est-ce que vous nous recevez mieux? Oui, est-ce que c'est mieux? Très bien, Carl. C'est bien, oui. Très bien. Non, je disais que toute la difficulté, c'est parfois des chirurgies itératives. Après première ponction, on a l'impression d'avoir réglé le problème, mais on est amené à réopérer. Et parfois, le pronostic même peut paraître péjoratif. Péjoratif dans ce sens où, comme l'avait dit le docteur Tahan, on est parfois amené à faire même des volets décompressifs avec leurs conséquences. Alors que de prime abord, ça paraît quelque chose d'assez simple à prendre en charge. Donc, raison de plus pour dire qu'il faut toujours considérer que c'est une pathologie qui peut être potentiellement grave, qu'il faut prendre en charge avec tout le sérieux possible. Et puis toujours en étroite collaboration avec les infectiologues, bien sûr les réanimateurs et toute la chaîne de soins. Disons que c'est ce qu'on pourrait rajouter et avoir à l'idée que assez souvent, ou enfin pas assez souvent, il arrive plusieurs situations où on n'a pas de germes. On n'a pas de germes, donc on fait une antibiothérapie la plus large possible. Et bien évidemment, ne pas oublier aussi la commercialité ultérieure qui peut toujours faire jour. Donc, voilà les petits commentaires que moi, je pourrais rajouter. Oui, donc effectivement, donc l'identification des germes, donc elle est entre 68 à 70% des cas où le reste, on n'a pas effectivement de positivité. Et les cas dont tu parles, Carl, c'est souvent des patients qui viennent de Mayotte, c'est-à-dire oui, bien évidemment, qui tardent à consulter à l'hôpital et qui nous viennent dans un état avec des abcès énormes, avec des crises de masse, voilà. Une chute cérébrale, et c'est là où on a eu plus de problèmes. Par contre, pour tout ce qui nos patients, on a eu quelques cas difficiles chez les Réunionnais, mais c'est très très rare par rapport à la proportion de patients qui viennent de Mayotte. De zone endémique, on dira. Voilà. De zone endémique, oui, en effet. Après, il y a bien sûr tout le problème des diagnostics différentiels et puis des abcès sur le terrain immunodéprimé, dont la prise en charge est un peu différente. Merci beaucoup, Carl. Merci à toi. Bonne astreinte. Je vois il y a Dr Anissé qui a levé sa main. Oui. C'est qui, s'il vous plaît? Dr Anissé, je vois la main de Dr Anissé Oumba. Oui, oui, oui. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une préoccupation. C'est docteur Anissé, je travaille dans l'humanitaire et ça nous intéresse les sujets. J'ai dit déjà merci pour la présentation et pour l'invitation aussi. Ma préoccupation, c'est sur l'antibiothérapie. Et je prends le contexte africain. Le meropenem qui a été cité comme traitement d'emblée dans les abcès cérébraux. La problématique de l'antibiorésistance déjà en Afrique, est-ce qu'on y va d'emblée avec meropenem ou il y a toujours une culture qui va avec? Est-ce que je suis un peu inquiet vu que le meropenem est utilisé sur les deuxièmes ou troisièmes lignes d'antibiotiques dans la lutte contre les résistances microbiennes. Je ne sais pas si c'est d'emblée qu'on va avec le meropenem ou c'est en fonction de l'antibiogramme qu'on instaure meropenem. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est une belle question. Donc,
comme vous avez vu sur le diapo là que je parlais de méropénème, c'était à la fin du traitement empirique, quoi. Donc, j'avais commencé par vancomycine, je parlais des céphalosporines de troisième génération. Là, c'était en bas. On ne peut pas y aller d'emblée, mais en cas, parce que dans le contexte africain, il y a des malades qui viennent, qui ne peuvent pas supporter. Il y a des malades qu'on dépose à l'hôpital, peut-être qui n'ont pas d'argent, qui n'ont même pas la capacité de faire la culture et que vous avez tenté avec d'autres antibiotiques et que ça ne marche pas. Donc, j'avais mis ça comme dernier recours. Mais ce n'est pas un antibiotique qu'on peut prendre d'emblée comme ça. Alors, j'ai ma collaboratrice ici, Dr Sarah Mutom, qui est en ligne. Elle, d'ailleurs, elle est venue dans la ville avant moi. Je ne sais pas si elle a aussi un commentaire sur ça. Si, voilà. Elle a déjà commencé une fois avec Meropenem ou bien... Dr Sarah, vous êtes là? Oui, docteur Kaboulou. Bonsoir à tous. Ah, ok. Donc, docteur Sarah, c'était la première neurochirurgienne du Congo. Alors, on est dans le même hôpital et puis on travaille ensemble. Donc, je voulais juste aussi avec elle, si aussi elle a déjà rencontré des difficultés avec des malades comme ça et qu'ils ne peuvent même pas supporter l'hémoculture, donc payer pour l'hémoculture et autres. Alors, c'est très fréquent hein, parce que déjà, on sait que les abcès cérébraux, c'est une pathologie qui touche généralement déjà les pays pauvres. Hein, et les pays pauvres, ce n'est pas non plus les gens vraiment aisés qui ont ce genre de pathologie. Bien sûr, en dehors de ceux qui vont présenter des cardiopathies telles qu'une tétralogie de Fallot, ça ne choisit pas, bien sûr, la classe sociale. Mais généralement, ce sont des personnes démunies et qui ont du mal à faire le moindre examen qu'on leur prescrit. Et même, je ne sais pas si ce sont des choses qui arrivent dans d'autres contrées, en Afrique, bien sûr, en Afrique noire, je veux dire, il arrive que ce soit l'hôpital qui doive s'arranger pour prendre en charge, en fait, ce genre de patient. Donc, c'est vraiment pas évident de faire ce genre d'analyse. Et puis, docteur Anissé, d'habitude, Meropenem, on donne après la culture, hein. D'abord, c'est cher. Un malade qui ne peut même pas avoir l'argent pour faire l'hémoculture ne peut même pas aussi avoir l'argent pour payer les méropénèmes pendant toute cette période de traitement. D'habitude, on ne commence pas avec ça. Oui, c'est pourquoi j'ai voulu insister sur ça. Parce que c'est aussi en termes et d'antibiothérapie, je précise encore beaucoup plus, c'est dans la lutte contre les antibiorésistances. Donc, le méropénème est classé en troisième ligne d'antibiotiques utilisées. Et donc, je voudrais bien préciser que c'est en fonction de la culture qu'on l'utilise, parce que sinon, on aggraverait encore la situation d'antibiorésistance. Merci beaucoup, docteur Anne. Alors, j'aimerais dire un mot. Oui, docteur Sarah. Bien sûr. Voilà, alors, par rapport à l'antibiothérapie, j'ai bien aimé, docteur Kablo, quand vous avez dit que ça prête quand même à controverse, parce que je crois que c'est vraiment fonction d'école. Parce que moi, par exemple, d'où je viens au Sénégal, on est vraiment... c'est une école qui prône l'antibiothérapie parentérale pendant 3 semaines et ensuite une antibiothérapie péros pendant 3 à 4 semaines. Voilà, bien sûr, si après l'imagerie aussi montre que voilà, les lésions ont totalement disparu. En dehors de ça, j'aurais aimé, docteur Kaboulou, que vous puissiez insister quand même sur les séquelles, parce que les séquelles des abcès cérébraux, c'est quelque chose de très, très fréquent et très délétère, parce qu'on peut avoir des déficits moteurs, des patients qui gardent leur déficit moteur et d'autres qui font des épilepsies séquellaires et qui peuvent être assez difficiles pour les familles, surtout chez nous en Afrique. L'épilepsie, c'est une maladie qui est considérée comme une maladie obscure. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent aussi. Et
Peut-être juste un mot sur le diagnostic différentiel aussi, qui généralement se fait avec toute pathologie, tout syndrome neurologique qui évolue dans un contexte infectieux, tel qu'on peut avoir aussi des tuberculomes hein, qui miment un abcès cérébral. Mais bien sûr, à l'imagerie, on verra que le tuberculome a une prise de contraste annulaire qui est moins importante qu'un abcès cérébral. Donc voilà, et bravo pour votre présentation, Dr Caboulot. Merci. Merci beaucoup, Dr Mouton, pour votre commentaire et ajout. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, effectivement, donc les abcès cérébraux, si la mortalité a baissé dans certains pays à 5-10%, il faut savoir que les guérisons sans séquelles sont de l'ordre de 60 à 70% dans ces pays. C'est-à-dire la gravité des abcès cérébraux. Et que je pense que ces séquelles sont beaucoup plus importantes dans des régions qui sont au niveau de sanitaire donc est en évolution. Donc c'est sûr que quand j'entends donc l'hémopénène etc. donc qui est utilisé, qui devient un antibiotique qui cause la résistance. Avant, il y a quelques années, la pénicilline ou quelques antibiotiques standard, c'était difficile de les avoir. Donc, il faut savoir que la récupération dans ces pays moderne qui est inférieure à 60-70%, et dans les pays en voie de développement, les séquelles sont beaucoup plus importantes. Donc, je n'ai pas de chiffres, mais je vois les séquelles des personnes qui viennent. J'ai toujours cet exemple de Mayotte, malheureusement, où le retard de traitement aboutit à des séquelles graves. Merci beaucoup, Dr Saïd, pour ce commentaire. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Adrien, est-ce que tu as vu d'autres questions qui sont sur le... Alors, oui, effectivement, je crois qu'il y avait dans le forum de discussion une question du docteur Akere Diop qui demandait, docteur Caboulot, si les abcès fongiques sont plus létaux pour vous. On dit si les abcès fongiques sont-ils plus létaux, voilà. Oui, parce que souvent, quand on n'a pas bien identifié ces abcès, on risque de ne pas donner un traitement approprié, parce qu'ils sont aussi rares et souvent ça vient sur un terrain déjà qui est compromettant, parce que ça arrive chez quelqu'un qui est immunodéprimé. C'est pourquoi ces abcès-là, il faut faire très attention pendant qu'on est en train de les soigner, parce qu'il suffit seulement de rater le diagnostic et soigner ça comme, par exemple, les abcès bactériens ou bien, quoi là-bas, vous ratez votre traitement. Donc, ce sont des abcès très dangereux. D'ailleurs, j'avais même insisté que c'est parmi aussi les indications d'une chirurgie quand vous soupçonnez les abcès fongiques. Effectivement, ils sont létaux et surtout si on n'a pas bien posé le diagnostic. D'accord, merci beaucoup. Et cette même consoeur demandait donc également quel antifongique vous pouviez donc être amené à initier en attendant les résultats des prélèvements dans votre pratique. Ok, pour ça, j'avais parlé de l'amphotéricine B qu'on peut donner. Et chez les immunodéprimés, on donne le Bactrim en attendant que vous puissiez avoir, parce que là, déjà, même dans le traitement des maladies à VIH-Sida, on donne déjà ça d'abord à titre préventif pour prévenir les infections à cryptocoque et autres, et deux fois en attendant ça. Parce que normalement, comme je l'ai insisté, j'ai dit ça dans l'exposé, on doit donner l'antibiotique après la culture. Donc, quand on donne les antibiotiques avant, on va flouer, la culture sera négative et ça ne va pas vous permettre de connaître les germes et donner l'antibiotique approprié. Mais il arrive deux fois que les gens commencent toujours, parce que quand vous commencez, vous flouez les résultats. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les infections, les abcès fongiques, on donne l'amphotéricine B. C'est souvent ce qu'on donne comme première ligne. D'accord, merci beaucoup. Je crois que ça répond à la question. Je ne vois pas d'autres questions, Saïd, de la part. Je pense que...
On n'a plus de questions. Hello, John. Yes, very good. Yes, very interesting session. Yes, for the first webcast, that was great. Yes. We got a lot more people than I expected. We had almost 40 panelists, and I think we've reached a part of the world that wants to be heard, the French area of the world. So I think I would like to have a webcast next. We'll talk about this, but can you talk about the webcast on March 12th, please? Oui, s'il vous plaît, pour les présentateurs prochains, ça va être le professeur Henri Dufour du CHU de Marseille qui va nous traiter les adénomes hypophysaires. Ça sera le 12 mars. Le 19 mars, on aura le professeur Kevin Buffenoir qui va nous traiter les spasticités chez les enfants, donc les spasticités des membres inférieurs. Le 26 mars, on aura le professeur Sébastien Frelich qui va traiter, bien sûr, de la base. Il ne m'a pas donné encore le sujet. Le docteur professeur Kalamarides sera avec nous le 3 avril qui va traiter des schwannomes vestibulaires. Le docteur professeur Philippe Rigoire sera avec nous le mois d'avril, le 9 ou le 10, donc il va me préciser ça. Et il va parler donc de la neuromodulation concernant la chirurgie, les échecs de chirurgie du rachis. Voilà, donc on est bien parti. J'espère qu'on sera nombreux. D'autres choses à la fin donc de webinaire, parfois donc on laisse les gens parce que le but de ces webinaires, c'est de se parler ensemble, donc de faire connaissance. Et j'espère que la prochaine fois, donc vous serez beaucoup plus réactifs et parlez, donc faites connaissance, prenez les adresses, échangez les adresses, comme ça, donc on continue à construire notre communauté neurochirurgicale. Saïd, can I make that sounds? And could you translate this, please? That sounds more like a conference than a webinar, but. Thanks. That's great. So, okay, Dr. John Beckett, I want to add something. Yes, go ahead. Dr. Saïd, je préfère qu'on puisse peut-être avoir un petit groupe WhatsApp. Bien sûr, oui. Voilà. Comme ça, on commence à donner les programmes aussi dans le groupe WhatsApp. Parce que, bon, comme vous l'avez dit au début, il y a trop de webinaires en anglais. Mais bien sûr, on doit aussi promouvoir quelques webinaires en français. Donc, si on a un petit groupe WhatsApp où on poste le programme à tout moment, ça va. D'accord. Ça sera bien. Je ne sais pas ce qu'on va faire ou dans quelle plateforme on va. Donc, ce que je fais, je peux laisser mon numéro dans le chat ici. D'accord. Comme ça, les gens peuvent m'écrire et puis voilà, on crée un petit groupe. On va ajouter les autres progressivement. D'accord, avec plaisir. Donc, on fait comme ça. Okay, very good. Thank you, everyone. And we'll see you. We'll keep in touch and we'll see you next Saturday. Yes. Thank you. Thanks, Dr. Caboulo, the old pro. Thank you, Dr. Bennett. Okay, bye-bye. Bye-bye. Wait, let me post my phone number. Yeah, yes. Okay, we're still here.